Bonjour les amis, c'est Lily Tech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une signature manuscrite en signature numérique. Cette astuce va vous permettre de gagner en temps et de facilement signer vos documents Word. Sans toutefois tarder, commençons. Vous aurez besoin d'un stylo de couleur noire et d'un format pour signer votre document. Après cela, vous allez scanner votre signature, soit à l'aide de votre téléphone portable, ou soit à l'aide d'un scanner. Après avoir signé, vous allez l'envoyer dans votre PC, soit via un câble USB ou bien par Gmail, tout dépendra de vous. Voilà. Une fois sur le PC, voici ma signature. Vous allez ouvrir Word, cliquer sur Nouveau document et de là, vous allez glisser, déposer ou bien insérer votre image. Voilà. Vous allez aller dans l'onglet Format de l'image et dans le groupe Texte, vous allez cliquer sur Rogner. Afin de facilement déplacer, vous allez cliquer sur ce bouton, ou bien sur cette forme, et cliquer sur devant l'image. Vous allez mettre l'image devant le texte, voilà. Elle est facilement déplaçable. Vous allez aller dans Format de l'image, supprimer l'arrière-plan. Vous allez utiliser ces markups afin de conserver ou de supprimer certaines zones. Et de là, vous allez marquer les zones à conserver. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne et encourage à créer de nouvelles vidéos. Et de là, vous cliquez sur Marque à supprimer. Et vous indiquez la zone à supprimer. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur Conserver les modifications. Maintenant, vous allez changer la couleur, soit vous allez augmenter la saturation. Ça, vous allez recolorier, vous pouvez soit recolorier, augmenter la saturation, tout dépendra de vous. Donc, moi, je choisis de recolorier en noir, j'utilise ce pourcentage, voilà. Maintenant, vous allez réduire, vous ne pouvez pas utiliser réduire comme ceci, ou bien encore comme ceci, ça déformera l'image. Donc, vous allez mettre le curseur sur le bord de l'image et réduire à partir du bord, toujours, voilà. La signature est prête, maintenant vous devez l'enregistrer comme modèle. Donc pour cela, vous allez dans Insertion, vous positionnez votre image là. Ensuite, vous faites CTRL-A pour tout sélectionner. Quick Pad, enregistrer et vous donnez un nom à votre signature. Par exemple, signature Lily Tech. Vous cliquez sur OK, voilà. Vous pouvez supprimer, c'est déjà enregistré. Donc. Voici un document d'exemple. Je vais insérer la signature qui a été enregistrée. Pour cela, je me rends dans Insertion, Quick Pad, et voilà, ça se trouve là. Voilà, maintenant vous pouvez facilement signer vos documents, que ce soit un document Word, vous pouvez transformer plus tard en document PDF, transformer une signature manuscrite en signature numérique est vraiment très utile. On se dit à la prochaine vidéo, bye bye.